Philippe. Olivier. Alors, tu es de retour parmi nous dans l'anthologie Tomber les voiles, avec une nouvelle qui s'appelle Bison blanc. Alors, tu es hors concours, hein, tu le savais? Oui, je suis au courant, effectivement. Ouais. Hein, donc, parce que tu as gagné le prix 1000 saisons 2016. Oui, exact. Voilà. Et que tu vas sortir donc, pour le Salon du Livre, donc L'Empire des Chimères. Donc, qui est le roman issu de la nouvelle Atrium Miraculorum. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler donc brèvement, mais simplement, de ce roman et en même temps de ta nouvelle Bison Blanc, qui sera, je répète, dans l'anthologie Tomber les voiles, donc, et de l'appel à texte. En fait, comment tu as vécu, toi, cet intitulé de la thématique de l'appel à texte pour Tomber les voiles? Alors, je commence par quoi? Comme tu veux, tu choisis. Alors, L'Empire des Chimères, peut-être? Ouais, L'Empire des Chimères, bah, donc, c'est un, je pense que c'est un vrai roman d'aventure. C'est un, ce que j'aime bien l'appeler un Rome trip, en fait, qui se passe sous l'Empire romain, comme Atrium Miraculorum, dont il est issu. On va dire que le pitch, c'est un peu, c'est une jeune patricienne romaine qui est passionnée d'astronomie, qui s'aperçoit que toutes les étoiles filantes de sa région convergent vers un point unique, lequel s'avère être un mons, le mons Kaeli. Et elle n'a de cesse en fait que de s'y rendre et découvrir pourquoi effectivement ce phénomène se produit. Et puis elle va être accompagnée d'un centurion, enfin d'un futur centurion plus exactement, qui lui a reçu des ordres très précis, à savoir faire en sorte qu'elle n'y parvienne jamais. Et en chemin, elle va faire des découvertes en fait, d'un homme assez étrange, Gurnt, hein, qui lui a une apparence assez originale, féline, et qui est à la recherche de ses origines, lesquelles origines, elles aussi, semblent mystérieuses. Provenir de ce monstre. Donc en fait, tout semble converger vers le mont Kaeli. Le mont Kaeli, ouais. Et donc le roman dévoile effectivement cette part de mystère, le lecteur ne sera pas au bout de ses surprises. Oui, je pense, oui. Oui, c'est ce rom-trop initiatique nous emmène très loin. Hein, très loin. Donc, les étoiles filantes viennent au héros. Et puis, elle l'emmène bien ailleurs. Ouais, voilà. Ouais. Exactement. Et Bison Blanc, alors? Alors, Bison Blanc, là, pour le coup, j'ai complètement changé d'univers. Nous sommes à Seattle, en 1984, si je ne dis pas de bêtises. Et je peux réviser avant de l'interview. Oh, c'est pas grave. Ouais. Ça se passe aux États-Unis? Ouais, Seattle, donc effectivement, c'est vraiment, ouais. La patrie de... d'un certain chanteur qu'on ne nommera pas. Ouais. J'ai voulu faire une enquête policière un peu décalée, fantastique pour le coup, puisque l'enquêtrice principale est d'origine Sioux, donc pas du tout de Seattle, mais en tout cas, on découvre tout ça dans la nouvelle. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, le monde onirique et chamanique va se mêler en fait à cette réel, au réel, ouais, de l'enquête. Exactement. D'accord. Et donc effectivement, les voiles vont tomber. Les voiles vont tomber. Et tomber les voiles alors, avec un « et ». Ouais. Alors, je pense que j'ai fait partie de ceux, effectivement, que ça a beaucoup interpellé, effectivement. Je pense que de ce point de vue-là, le but est parfaitement atteint. C'était de se poser des questions, effectivement, pas seulement sur l'histoire en elle-même, mais effectivement sur la façon de l'écrire et sur ce que le titre pouvait porter. Sur la langue aussi. Hein, sur la langue, exactement. Sur, en fait, la manière dont on écrit la langue, en fait, donne un sens, ou en tout cas restreint le champ des sens, ouais, des mots. Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, dans l'écriture de la nouvelle, effectivement, ça m'a donné plusieurs pistes. Essayer de sortir effectivement un petit peu des sentiers de la guerre battue. Oui, parce que finalement, à force de tous emprunter le même sentier, il est rabattu. C'est un peu ça, oui, c'est voilà. Ça, voilà, exactement. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que, souvent, dans des appels à texte, en fait, on propose des thématiques qui parlent de sujets, mais où la langue même, en fait, ne pas forcément réfléchir à la langue. Mmh. Et c'est vrai que dans Tomber les voiles, on va découvrir, hein, vous allez découvrir, lecteur, que des auteurs ont réfléchi justement à la langue et au sens que pouvait, et à sa fonction finalement aussi. Ouais. À quoi sert le langage? Sinon,
Bon, voilà, faut lire l'Empire des Chimères pour savoir à quoi sert le langage, peut-être. Non, oui, à quoi sert le langage? Oui, dans l'Empire des Chimères, dans l'anthologie, bien sûr, Tomber les voiles, effectivement. Je pense que pour avoir lu quelques nouvelles, effectivement, déjà, en avant-première, Oui. effectivement, on voit effectivement que certains auteurs ont vraiment travaillé sur ce sujet-là, effectivement. Ouais. Je pense que c'est une anthologie qui a de très bonnes nouvelles. Hein. Bon, comme aussi dans La Cour des miracles, hein, on avait une belle brochette d'auteurs, vraiment Et des dans nouvelles qui du plan étaient très très à la très lumière belles, également. et du plan à la lumière aussi, et que cette thématique Tomber des voiles amène de nouveaux jours, de nouveaux réels, de nouveaux imaginaires et les met en perspective. Oui, franchement, oui. C'est vrai que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec le thème, une fois que je me le suis un peu approprié, effectivement. Et avec Bison Blanc, j'espère que les lecteurs en auront autant. Bon, c'est pas la peine de voter pour moi, ce sera pas possible. Oui, non, mais je pense que c'est bien aussi que tu passes en fait le relais, quoi, en fait, Oui, tout à que fait. comme tu as gagné le premier saison 2016, bah, que tu passes le relais justement à un nouvel auteur parmi les 20 qui sont donc en lice. Ben, je passerai le relais avec plaisir, effectivement, déjà avec donc l'auteur qui sera élu sur Du plomb à la Du lumière. plomb à la lumière, effectivement. Et je serai vraiment un lecteur impatient de découvrir effectivement le roman qui Ouais. sera ici Et toi, de ton avis sur Du Valdemort. plomb à la lumière, tu as été surpris justement par certaines nouvelles dans Du plomb à la lumière? Tu as des auteurs qui t'ont plus marqué que d'autres, hein, Ah oui, que tu effectivement. verrais, que tu verrais justement sur le podium? Moi, j'avais quatre nouvelles, effectivement, qui m'avaient vraiment beaucoup accroché. Donc, la nouvelle. Alors, par contre, je suis désolé, je n'ai pas révisé. J'avais la nouvelle de Karin Rehnberg, j'avais trouvé à la fois très poétique, avec un univers très riche. Les feux de la rampe. Les Feux de la Rampe, exactement. Ouais. Très riche, porteur de plein de choses, et une manière d'écrire qui m'avait beaucoup, beaucoup plu, effectivement. Ophélie également, sa nouvelle sur les Ceux moines qui nous combattants, lient. Ceux qui nous lient. Là, franchement, j'ai été très accroché, effectivement, par l'univers, et effectivement, également sa façon de poser les combats. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient beaucoup, effectivement, dans sa Oui, nouvelle. c'est une nouvelle qui est très riche en fait, hein, Ouais, qui, ouais, ouais. ouais. Beaucoup de punch. J'aime bien ça, j'aime Qui est bien bien l'action. construite, Ouais. je veux dire, on sent la vétérinaire. Ça, je ne Ça sais sent pas. l'éther, hein, dans les sous-sols de l'enfer. Et bon, il y avait Philippe Daniel, dont je suis un fan incontestable. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Bon, j'étais. Qui est un très grand novelliste, hein, Philippe Ouais, ouais, Daniel. ouais, ouais, absolument. Et puis le dernier, c'était Anthony Boulanger. J'avais Avec les beaucoup hommes aimé. métal. Ouais. Les hommes de métal. Et là, effectivement, c'était un univers. Bah là aussi, pas mal de poésie aussi. C'était bon. Anthony est un auteur pour le coup déjà reconnu. Non, vraiment, ces quatre nouvelles-là, ouais, pour moi, c'était celles que j'avais préférées. Maintenant, D'accord. dans le lot, il n'y a que Karin Rehnberg qui est encore à peu près dans le tiers cette tête. Oh, on parlait. Ah bah de toute façon les lecteurs C'est vrai. peuvent suivre en direct C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. les résultats. Directement sur Bah, le écoute Philippe, site millesaisons.fr. en tout cas merci, bravo encore pour avoir gagné ce premier saison, hein, parce que bon je veux dire et félicitations à ceux qui ont voté pour Philippe, à tous les lecteurs qui ont voté pour Philippe. Et Tous mes remerciements, effectivement. voilà, donc ça sert à ça aussi une consultation, parce que en fait on consulte pendant un an les lecteurs et c'est eux qui Bonsoir. deviennent prescripteurs finalement. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bah Philippe, à te lire alors, hein, avec L'Empire des cet Empire des Chimères, oui. Chimères et puis. Je pense que ceux qui ont apprécié effectivement Atrium Miraculorum sauront retrouver effectivement déjà des personnages qu'ils avaient lus dans Atrium Miraculorum, dans l'Empire des Chimères. Et j'espère que je Et leur il y a donnerai matière, et il y a pas matière, mal et de il y a plaisir, matière. effectivement. Ouais. Merci à tous. Merci. This is not a dream.